Dieu, bonjour. Je vous salue tous sur le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Là, vous êtes sur votre chaîne préférée, Ciel TV, ou sur votre émission Joie Nouvelle. Alors, je suis sur ce plateau avec une sœur, avec une dame, qui est un témoignage puissant du chemin du ciel, qui est un témoignage vivant du Dieu de Papa Florian. Alors, vous allez attentivement suivre ce témoignage. Et je crois qu'à travers ce témoignage, vous allez également prendre votre part de bénédiction pour l'année 2015. Alors, sur ce, je vais tourner mon regard vers notre sœur. Elle va se présenter. Bonjour, la maman. Bonjour. Oui, allez-y, approchez le micro. Et puis, saluez tous ceux qui vous suivent. Bonjour. Voilà. Vous allez vous présenter. Allez-y, votre nom. Bonjour, mes soeurs camarades, mes soeurs maman, le papa. Ok. Le nom Tobias. Voilà. Et Tobias Sylvie a un grand témoignage à nous partager, mais on va aller pas à pas. Tu vas nous dire d'abord comment tu as connu le Dieu de Papa Florian. Et si tu es dans la joie d'avoir connu ce Dieu, tu vois, d'abord je parle avec vie, avec force. Tu vas parler avec vie, avec force pour tous ceux qui nous suivent. Comment tu as connu le Dieu de Papa Florian? Papa Florian, comment tu l'as connu? Un jour, j'étais à la maison. J'ai une soeur qui a l'habitude de venir à la prière ici. Elle vient voir Papa Florian. Elle vient voir Papa Florian, elle vient à la prière à Port-Boué. Il y a une fille même qui était initiée, tout ça. Donc, à travers la prière de Papa Florian, sa fille s'est confessée. Et par la prière de Papa Florian, le Dieu de Papa Florian, elle a reçu la délivrance. Amen. Donc, quand elle est quittée à la prière, elle est rentrée chez moi à la maison. J'étais là ici, ma maison, elle dit, ah, ma soeur. Et si tu as la prière, il dit, oh, il y a un homme de Dieu qui prie à Congo là-bas, on appelle Papa Florence, elle avait ainsi quitté. Tout ma Florence qui était sur mon blocage, il y a, c'était ma fille. Et quand on allait là-bas, le père lui est venu, elle s'est confessée, elle a répondu tout ce qu'elle a dit. Et là, quand je suis parti là-bas, mon retour, le lendemain, ma fille m'a conduit encore là-bas, qu'elle va se confesser encore. Donc voilà, au bénit que j'ai de là-bas, c'est qui a opéré un miracle dans ma vie. D'accord. C'est donc, c'est-à-dire qu'elle est venue pour le problème de sa fille, et sa fille qui est dans la sorcellerie a reçu la délivrance grâce au Dieu de Papa Florian. Et après la délivrance de sa fille, Papa Florian lui a donné de l'eau. Voilà, de l'eau consacrée. Et c'est cette eau qu'elle vous a portée chez vous à la maison. Voilà. Comment tu as reçu cette eau? Quand elle est arrivée là-bas, elle avait deux bidons de Awaji dans sa main. Elle dit, ma soeur, il faut prendre un. Elle dit, mais ça, c'est quelle eau? Elle dit, c'est eau bénite. Elle dit, ça, c'est quelle façon de eau bénite ça? C'est pas pour les célestes. Elle dit, non, que c'est pas pour les célestes. Que homme de Dieu, là, il n'est pas céleste. Donc, c'est eau bénite là, avec le lait, sang de Jésus qui a opéré le miracle dans ma vie. Moi, quand les gens me disaient que ma fille était initiée, je croyais pas. J'ai fait les histoires avec certaines personnes. Et à travers la paix, le pape, avec le laissant de Jésus, elle est au bénit là. C'est-à-dire que quand elle nous disait que sa fille est initiée, elle ne croyait pas. Elle ne croyait pas. Mais grâce aux éléments de l'homme de Dieu, sa fille, elle-même a parlé. Elle a parlé. Donc, voilà, au bénit, voilà, ça prend pour toi. Je dis non, au bénit, ça là. Tous les jours, je vois au bénit à l'église céleste là-bas. Vous aviez de l'eau bénit, c'est là que je vois la maison. Non. Mais à l'église. À l'église céleste. D'accord. Bon. Donc, moi, je suis fatigué de voir au bénite. Donc, dans ça, elle dit, bon, ma soeur, il faut prendre un peu quand même. Je dis, d'accord, j'ai pris. Elle m'a servi dans mon mobilier, elle est déposée dans la maison. Après, j'ai pris un bidon de Awadi. J'ai renversé le bidon, j'ai déposé dans la maison. La semaine qui a suivi, mon fils est parti au pont. Quand il partait, j'étais là. À la mer. Pardon? Il allait à la mer, votre fils? Oui, il est sorti, il m'a pas dit que c'est au bord, il s'en va. Il est sorti. Donc, quand il est sorti, vers les 15h là-bas, on m'appelle. Quand il dit bonsoir, il dit bonsoir, c'est pour vous. La maman de Joseph, il dit oui. Il dit, mais il y a quoi? Son ami me dit non, il n'y a rien. Il dit, mais il n'y a rien comment? Depuis là, tu m'as appelé, et puis tu me dis, il n'y a rien. Elle dit non, quand il n'y a rien, il n'y a rien de grave. Elle dit, mais comment toi tu peux m'appeler? Tu me demandes si je suis sa maman, puis tu me dis, il n'y a rien, vous êtes en bas là. Il dit non, on n'est pas en bas là. Mais s'il y a quelque chose, il faut me dire. Il dit, tant dit non,
Comme je vois, j'ai fouillé son pantalon, je vois sa puce, j'ai mis dans mon portail, je vois maman chérie, donc j'ai peur de vous dire. Il me dit, ça c'est quelle histoire ça? Tu me racontes quoi, mais dis-moi. Et le génie m'a dit, non, comme depuis qu'il a plongé, on ne le voit pas, c'est beaucoup là. Il est entré dans l'eau. Il a plongé et dans la mer. Il a disparu. Il a disparu, depuis on le cherche, on ne le voit pas. Et j'ai crié, j'ai commencé à pleurer. Il s'est rentré dans la maison. Quand il s'est rentré, il dit, ah, quand les parents, notre arrière-grand-parent, quand un malheur arrive comme ça, ils prennent l'eau d'un canari pour verser. Donc, ok, ma soeur m'a donné l'eau de papa Florin, je vais prendre pour verser aussi. Pour expérimenter la puissance de voilà. Dieu. Voilà. Donc, quand j'ai pris eau, je suis là parlé, j'ai en pleurant et j'ai avalé cette eau. Ici, c'est dit, ah, Dieu de papa Florin. Ah, ma soeur dit que toi, tu peux mirer dans la vie des gens qui sauvent les gens. Sauve mon enfant. Si tu es vraiment Dieu de papa Florin qui sauve les gens, qui guérit les gens, qui délivre les gens, sauve mon enfant de la mer. Et tout nuit, j'étais nuit, tout le quartier est sorti. Et quand on est arrivé au casier, il était évanoui. Dans ça, quand mon fils a plongé et au plage, il allait sortir jusqu'à Gonzague. Je ne sais pas, je ne sais pas exactement la distance que peut faire, combien de mètres, de mais casier, je pense que c'est quand même une distance considérable. Le casier. Carrefour casier jusqu'en corridor. Voilà, pour ceux qui connaissent un peu Abidjan, qui connaissent un peu côté Adjoufou, Gonzague, vous pouvez quand même imaginer de casier voilà, jusqu'à corridor. Voici la distance que. Ah, là, Bassa. C'est là-bas. Donc, j'ai un monsieur qui était assis au bord de la mer, il dit qu'il prenait des laits. Et il voyait quelqu'un à 3 km sur l'eau, il voyait les mains sur l'eau. Il dit, mais André, c'est quelqu'un qui attend de se noyer là-bas. Mm-hmm. Et le monsieur, il a plongé. Le monsieur, je ne le connais pas jusqu'à présent. Il est clair, grand et taille, en forme. Vous l'avez vu une seule fois. Et là, vous ne l'avez plus jamais revu. Et jusqu'à aujourd'hui, si on vous montre son visage, c'est difficile de le reconnaître. C'est difficile de le reconnaître. Mm-hmm. Et le monsieur, c'est lui qui a sauvé mon enfant. Mm-hmm. Il a pris dans l'eau pour l'envoyer. Allez-y. Quand il est venu à lui, au casier, il a mis l'enfant dans Wawa. Il est venu à elle. Il dit, ah, on dit, mais c'est quel groupe qui est ici là? On dit, non, qu'il y a une femme qui dit son enfant est resté dans l'eau. Il dit, ah, moi aussi j'ai sauvé un jeune qui se noyait sur la mer, donc le voici. Regardez-le si c'est pour vous qui est noyé là, si c'est lui. Mm-hmm. Et mes camarades et les amis du quartier, ils ont reconnu mon fils. Ils l'ont amené dans ta cité. Le jeune m'a pris mon enfant, l'a traversé. Elle dit, d'autres disent, allons à l'hôpital. D'autres disent non, hôpital à Estelle, l'eau des mères, ça ne va pas. Mm-hmm. Donc, allons à la maison, elle dit, et puis moi, j'étais déjà évalué, j'étais couché. Donc, quand ils ont venu le faire asseoir, à se coucher à côté de moi, ils ont versé l'eau sur moi jusqu'à ce que je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, on est parti à la maison. Il dit, ah, Dieu ne peut pas Florin, merci beaucoup. Jésus, merci. Dieu ne peut pas Florin, merci beaucoup. Quand on arrive à la maison, ensuite, il voyait le corps de mon enfant, comme s'il l'ont frappé, tout son corps était boule-boule sur lui. Et quand il l'a envoyé, il a commencé à vomir. Quand il a vomi, il s'est retrouvé en même temps. On est arrivé à la maison, il n'avait plus rien. Maman, ça va. Il dit, ça va, il dit, ça va. Il dit, on va aller à l'hôpital. Il dit, non, maman, ça va. Comme s'il n'est pas rien mal. Mais est-ce que vous lui avez dit après que c'est l'eau de papa Florin que vous avez transporté à la maison, qu'il a ressuscité? Voilà. Donc maintenant, quand. Bon, oh là aussi, je n'ai pas pris beaucoup parce que je ne croyais pas. Je n'ai pas pris beaucoup. Ce que j'ai pris là-même là. Allez-y. Ce que j'ai pris là-même là, ça ne peut même pas remplir un petit verre même, ça ne peut pas. Ce n'est pas beaucoup. Donc quand j'ai renversé la bouteille dans ma bouche, tout est fini. Et le lendemain, les gens venaient saluer. Les gens venaient à la maison là-bas. Le lendemain. Même nuit là, j'ai communiqué à mon papa. Puisque quand c'est mon papa qui m'a appelé d'abord. Et après, maintenant, le dernier de mon fils m'a appelé. Donc, j'ai dit, ah, comme j'apprends le réseau, on ne s'est plus causé. Il dit, d'accord, le soir, je vais t'appeler. Il dit, d'accord. Et même nuit là, j'ai essayé de m'appeler mon papa. Son petit frère du village était proche du téléphone. Il dit, ah, ma fille, je ne peux pas te cacher.
Ce soir-là, on était à la réunion. Bon, j'ai les gens, les amis qui sont venus, on était là. Ton père dit qu'il se sent mal. Il est parti à l'hôpital. Après, vers les 22h, le médecin envoie quelqu'un pour m'appeler. Je suis parti trouver ton père. Papa a rendu là. Ça, c'était le lendemain. C'est le même jour. Même jour, l'enfant est sorti. Même de l'eau. Jour, quand l'enfant est sorti de l'eau. Mm-hmm. Et c'est le même jour, nuit, même nuit là. Mm-hmm. On m'a, c'est le même jour aussi, mon papa m'a appelé. Mm-hmm. Bon, il me causait, je n'ai pas compris. Il y avait point de réseau. Mm-hmm. Donc, c'est le même nuit aussi. Quand mon fils est ressuscité maintenant. Je vais appeler mon papa. Pourquoi? Il m'a dit de l'appeler à 18h. Puis je n'ai pas pu appeler pour lui expliquer maintenant le problème de mon fils maintenant. Mm-hmm. Et son petit frère décroche son téléphone. Il me dit que mon papa est décédé. Mm-hmm. Donc, j'ai commencé à pleurer. Les gens viennent. Ah, il faut remercier Dieu. Peut-être ça va être deux cadavres. Tu allais pleurer. Mm-hmm. Si Dieu a ressuscité ton enfant, si ton papa a pris l'enfant, lui, il a bien fait sa vie. Mm-hmm. Il faut. Merci Dieu. Et j'étais dans les soucis, je pleure, bon, j'ai perdu la tête. Donc, c'est après ça, après les funérailles de mon père, quand je suis venu, je dis, ah, c'est que homme de Dieu là, vraiment, où ma soeur est partie là, c'est la vérité. Quand ma soeur est venue à la maison, je lui ai expliqué, elle dit, tu as vu, l'eau qu'elle t'a donnée, tu as saboté là, tu as vu. Tu as eu une miracle, qu'est-ce que ça a opéré. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à prendre ton enfant était dans l'eau? Qu'est-ce qui t'a poussé? Je ne sais pas, quel esprit même, ça dit, je croyais, je ne sais pas quoi, bon, je n'ai pas encore vu les preuves, mm-hmm. mais je crois qu'à travers cette eau, mm-hmm. mon fils peut quitter dans l'eau. Là. Amen. Dieu ne peut pas faire un peu résister mon enfant dans cette eau. Donc, je pleure, mm-hmm. mais je ne sais pas où j'étais. En tout cas, j'avais la foi en moi. Je ne suis pas paniqué, je ne suis pas dévoué, mais je pleure, mais ça ne veut pas que j'ai perdu la foi. Oui. Je croyais en cette eau-là, il va ressusciter mon enfant. Amen. Donc, dans ça, mon fils est ressuscité. Après les funérailles de mon père, il me dit, ah, c'est que je vais le croiser. Donc, il s'est parti chez ma soeur à la maison, c'était un jeudi. Jeudi soir, il s'est parti chez elle, il me dit, ah, ma soeur, donne-moi le numéro de papa, là, je vais l'appeler. Elle dit, ah, voici son numéro. Mais André, il ne reçoit pas demain. Il dit, d'accord. C'est samedi que la prière pour. Il dit, d'accord, je vais attendre ça. J'étais pressé pour que samedi même arrive. Samedi matin, je suis levé. Là, j'ai pris mes enfants. On allait à la prière. Je partais à la prière. Je suis parti, les gens se viennent dans le rang. On s'en va à les bidons d'eau. Papa béni. On s'en va à ça, à la maison. J'ai payé l'air, j'ai dit mes problèmes dessus, j'ai bu. Je suis parti à la maison. Je n'ai pas encore expliqué à papa. Mm-hmm. Je continuais d'aller. Et j'ai vu que, à travers cette lait, j'ai fait les songes qui me plaisent. J'ai dit, ah, attends. Un jour, j'étais dans mon songe, je voyais, après ça, après les funérailles, mon père, deux semaines après, mon fils a disparu. Et je suis parti. J'ai pris l'air. Dieu ne va pas faire rien. C'est lui le même fils qui est sorti de l'eau. Il est sorti de l'eau. Il a disparu. Je ne sais pas où il est parti. Je me demande, ah, mais c'est quelle histoire ça. Mon fils a disparu. Il est allé où? Je l'appelle, son portable est fermé. Je fais comme j'ai l'écoutance. D'autres, il faut aller consulter. Il dit, non, moi, il ne peut pas aller consulter. Puis, c'est si j'ai utilisé l'eau de pas fournir mon fils, il est sorti de l'eau. C'est pas Marabout qui a fait sortir mon enfant de l'eau. C'est le même Dieu de Papa Florent. Papa Florent, je vais aller croiser. Mm-hmm. C'est son Dieu-là qui va toucher le cœur de mon enfant. Il est parti. Il va venir encore en bonne santé. Mm-hmm. Et je suis parti. Je suis venu maintenant à la maison, à suivre ici. Je me suis mis dans le rang, j'ai pris mon leurre, j'ai bu. J'ai dit, ah papa, je suis venu te voir, mon fils a disparu. Papa dit, prends ta joie. Je suis parti à la maison. Les semaines, les familles, maintenant, je partais à la prière. Je parlais un jour dans mon songe, j'étais assis dans un carrefour, je pleurais. En songe maintenant. Je pleurais. En pleurant maintenant, papa Florent, mon portable sonne. Toujours en songe. Je décroche. Lorsque j'ai décroché, c'est papa qui me parle. Quand papa m'a. Non, excuse-moi. Bien avant, quand mon fils est quitté dans l'eau, il s'est quitté au funéraire.
Et moi, quand il a disparu, je ne suis pas encore allé à la prière. Oui, je me rappelle. Je ne suis pas encore allé à la prière. Et quand, en songe, maintenant, mon portable a commencé à sonner. J'étais assis dans un carrefour. Je pleurais. Et papa m'a appelé. Je n'ai pas encore eu papa dans mes yeux. Et je pleurais. Papa m'a... Mon portable sonnait. Quand j'ai décroché, c'est papa qui me parlait. Que ma fille. Où ton fils est parti là? Il va venir. Mais devant votre porte, les ont mis un caillou rouge là-bas. Va. Dis que j'écrase cette caillou avec le sang de Jésus. Avec le Dieu de papa forêt. Écrase cette que où mon enfant est parti. Il va se rappeler de moi. Il va revenir. Donc, en ce moment, tu as fait le songe là. Tu n'as jamais vu papa. Je n'ai pas encore vu papa. Oui. Donc, quand l'enfant est sorti de l'eau. Quand il est sorti de l'eau, il s'est parti. Voilà, il s'est parti. Il est venu. Je suis venu. Une semaine après, c'est là mon fils a disparu. Et c'est donc, tu fais le songe. Mahala, c'est maintenant, j'ai fait le songe. Quand j'ai fait le songe maintenant, mon portable a sonné. J'étais dans un carrefour, je ne sais pas. Je ne sais pas quel chemin mon fils a pris. C'est-à-dire, c'était un grand carrefour dans la rue partout. Je dis, ah, mais c'est quelle rue il a pris. J'étais arrêté au carrefour et je pleurais. Maintenant, mon téléphone a commencé à sonner. Quand ça sonnait, j'ai décroché. Et papa Florent me dit, ma fille, bonjour, je dis bonjour papa. Il dit c'est moi, il dit c'est toi qui. Il dit c'est moi mon papa. Il dit, ah, moi, toi mon papa, moi mon papa est mort. Et puis c'est toi, c'est lui qui m'appelle encore en rêve. Ah, ça là. Il dit non, que c'est moi papa Florent. Où ton fils est parti là, il va venir. Je dis, il va venir, il dit oui. Il dit, va à la maison. Va à la maison, il faut prier, il faut dire Dieu de papa Florent, touche le cœur de mon enfant. Où il est parti, il n'a qu'à se rappeler de moi. Venir. Et tu vas devant votre porte là, ils ont mis un caillou. Tu vas, faut que je brûle, j'écrase cette caillou avec le sang de Jésus. Le Dieu de Baphomet va écraser cette caillou là. Où mon enfant est parti, il va venir. Je dis d'accord, il s'est parti à la maison. Et quand je partais, il dit le papa, touche le cœur de mon enfant qui va se rappeler de moi. Touche le cœur de mon enfant, ça s'était resté dans mon cœur jusqu'à me s'y réveiller. C'est le lendemain maintenant qui était jeudi. Je suis parti croiser ma soeur. Il dit, donne-moi le bureau de papa Florent. Je vais l'appeler. Elle dit non, qu'il ne reçoit pas de lui. C'est samedi qui est pris à Pauvre. Et samedi maintenant, je suis parti à Pauvre. Quand je suis arrivé à Pauvre, j'étais en joie, je partais et chantais. Bon, j'ai vu tellement qu'il y avait du monde. J'ai pu regarder. C'est pas Florent qui est là, lui qui m'a appelé en rêve. Et c'était la première fois que j'ai vu Papa Florent. De voir Papa Florent. Et je me suis mis dans la joie, j'ai dansé, on a chanté. Après la prière, les gens bénissaient le point. Il ne sait pas comment ça se passe. Donc je ne suis pas parti à Abidjan. J'ai payé mon lait, j'ai pris. Je suis venu à la maison. La semaine, le samedi encore, j'ai pris mon bidon d'eau. Je suis parti, papa a béni. J'ai payé mon lait. Je suis venu à la maison. C'est comme ça. Dieu a commencé à opérer un miracle dans ma vie et en rêve, je vois les trucs, ma grand-mère, je vois les bonnes choses. La délivrance que Dieu est en train de faire pour toi. Voilà. Je vois maintenant, en tout cas, je me sens bien. Bon, mon fils n'est pas encore venu. Bon, je me sens tellement à l'aise. Troisième semaine après, je suis quitté à la prière, je suis parti au marché et mon fils m'a appelé dans le marché. J'ai commencé à crier. Je ne peux pas faire le téléphone. Au téléphone maintenant. Après la prière, après je suis parti au marché, mon fils m'a appelé. Je dis, papa, maman, bonjour. Il dit, c'est qui? Il dit, c'est moi. Et j'ai commencé à remercier le Dieu de papa Fleur. J'ai commencé à remercier Jésus dans le marché. Il était en joie. Il dit, comment j'ai vu? Dans ça, le lendemain, maintenant, je suis parti croiser papa maintenant à la suite ici. Et je lui ai expliqué. Il dit, ma fille, prends ta joie. Maintenant, le fils, lui-même, je lui ai donné le livre de papa. Il dit, quand il appelle, il dit, c'est les enfants de papa qui reviennent. Voilà. Qu'il n'a jamais communiqué avec le papa. Dans ça, jusqu'à j'ai continué à la prière. Donc, c'est comme ça. Et en rêve, ma grand-mère, quand j'ai commencé à prier, j'ai pris sang de Jésus, j'ai dit, à chaque fois que j'ai prié, souvent même, il gênait. Mais quand je suis venu chez papa pour la deuxième fois, papa dit, ah, on ne gêne pas. Tu pries sur ton lait, tu bois, et tu laves le sang, tu dis tout ce qu'elle a. Et Dieu ne peut pas faire le reste. On ne gêne pas. Donc, je vais arrêter de gêner. Et dans mon songe, je vois
J'étais couché là, je vois caméra. Ils ont mis caméra sur ma maison et je vois les branchements. Donc, j'ai dit, mais ça, c'est quel branchement ça? C'est quel branchement ça? Maintenant, je vois quelqu'un qui était en tout blanc. On m'a demandé de ne pas fourrer. Il a parlé par la fenêtre, ma fille. Ces caméras qu'ils ont mis sur ta vie qui détruit tout ce que tu fais là, c'est ça qu'elle a. Donc je suis sorti, j'ai dit en bon, donc c'est toi caméra là qu'elle a. Mais Dieu n'est pas vraiment griller ça tout de suite. Et je suis sorti. Quand je suis sorti, j'ai vu caméra et j'ai attrapé la personne qui avait caméra, je n'ai pas vu son visage. Mais je connais la personne par ses orteils et son doigt. J'ai commencé à lutter à la personne. J'ai commencé à lutter, j'ai enlevé les piles dans la caméra et j'ai jeté ça par la fenêtre. Quand j'ai jeté par la fenêtre, j'ai vu la personne. La personne même qui était en blanc, c'était Papa Florent même. Quand j'ai jeté les piles là par la fenêtre, et il a soulevé. Quand il a soulevé, il a fait comme ça. Quand il a écrasé les piles là, je vois dans la pile, c'est comme genre médicament, caolin, façon. Voilà, c'est ça. J'avais un collier blanc au milieu de ça. C'est ça qui était dans la pile. Il a jeté. Donc après ça, je croyais, en tout cas, j'allais dire, en rêve, en songe, je suis à l'aise. Amen. Bon, je reçois ma bénédiction. Amen. Donc, depuis ce jour-là, c'est ça. Et comment le fils est rentré maintenant à la maison? Il est rentré à la maison. Quand il est venu, c'est dans le mois de janvier, là. Il est venu. Quand il est venu, je peux... Avant de venir, il a dit qu'il avait eu aussi un songe. Oui. Avant de venir, il m'a dit, ah, maman, un jour, j'étais couché, là, en rêve. Et puis j'ai vu, quelqu'un est venu vers moi, il dit mon fils bonjour, il dit bonjour, il dit je suis ton grand-père, il dit ah tu es mon grand-père, il dit oui, il dit je m'appelle Papa Florent. Donc lui-même il m'a dit, il l'a indiqué, il dit maman je l'ai vu, il s'est rasé coco taillé, il était en blanc, puis il avait ses vestes dans sa main, quand il est venu, il a commencé à m'essuyer, il est transféré, mais il a commencé à m'essuyer, il dit oui, que c'est Papa Florent vraiment tu as vu en moi. Donc depuis il est venu, la situation est ménagée dans ma main. Mon fils, je vais venir ici à lui. Je peux... Non, non, pour le moment, on ne rentre pas dans ces détails. Mais tu as sauvé ton fils, tu es en train de faire ton combat. Moi-même, là, je sens même à moi-même que, à travers la prière de Papa Florent, le Dieu de Papa Florent, je sens que je reçois ma bénédiction. Amen. Et ce qu'il a commencé, il va terminer pour vous. Il n'a pas terminé pour moi. Amen. Alors, peuple de Dieu, vous êtes nombreux à nous suivre maintenant. Et je sais que ce témoignage vous a fortifié. Sans avoir vu l'homme de Dieu, Papa Florian. Le Dieu de Papa Florian avait déjà commencé à travailler dans sa vie. À travers l'eau, le béni, l'eau consacrée que l'homme de Dieu donne à ceux qui viennent le voir. C'est une eau prophétique, c'est une révélation qu'il a reçue. Et Dieu a sauvé son fils, Dieu a sauvé son enfant de la mort, Dieu a ramené ce dernier à la vie. Et aujourd'hui, elle est attachée au Dieu de Papa Florian. Elle croit que ce que Dieu est en train de faire dans sa vie, il ira jusqu'au bout. Et nous, on croit également avec elle. Et je pense que c'est comme cela qu'il fera aussi pour vous. Il a déjà commencé quelque chose, il terminera. Si c'est aussi votre première fois de nous suivre, au bas de votre écran, vous allez voir tous nos numéros, toute notre adresse. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous joindre. Et le Dieu du Papa Florent fera également quelque chose aussi dans votre vie. Alors, au moment, votre mot de fin, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces femmes, à ces hommes qui hésitent encore, ils ne croient pas, ils ne savent pas si Dieu peut faire vraiment quelque chose pour eux? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Ce que je peux leur dire ce matin, en tout cas moi où je suis là, depuis l'âge de 13 ans, j'étais à l'église céleste. Mon fils, même que je parle de lui, j'étais enceinte de mon fils là, à 3 mois, et je suis baptisée. Bon, à travers la prière, toujours couvent jeune. Je n'ai pas eu ma bénédiction là-bas. Ma grand-mère même que je parle d'elle, tu sais quand même, elle est une visionnaire. Les voitures s'alignent devant elle. C'est ma maman qui fait tout pour elle. Elle était aveugle. C'est ma maman qui fait tout pour elle. Un matin, maman, elle a perdu un grand frère qui était commissaire à Bidjan ici. Le bois est parti au village. On a préparé, j'ai tressé maman même tout ça.
C'est parti au funéraire, aller donner manger. À 2h du matin, on vient me chercher que ma maman est morte. Et quand je suis arrivé, la première question que j'ai posée à ma grand-mère, mais toi tu es visionnaire, tu vois que le même enfant même qui va naître aujourd'hui, tu connais. Mais pourquoi maman qui est ton pied, qui est tout pour toi, comme un Dieu, tous tes enfants, tes 5 enfants que tu as fait, ils t'ont abandonné. C'est ma maman, moi et maman qui est tes yeux, qui est ton pied. Pourquoi ma maman est morte? Et cette question que j'ai posée à ma grand-mère, ça l'a marqué. Même où je vous parle actuellement, là, jusqu'à présent, ma grand-mère n'aime pas ma tête. C'est malédiction sur elle-même, elle lance ici mon chemin. C'est malédiction sur elle-même, ainsi ma vie. Mais depuis ce jour, moi, j'ai vu, oh, des papas fleurir, même je ne l'ai pas encore croisé. Oh, là, m'a passé par quelqu'un. Et j'ai vu. En tout cas, ça a opéré les miracles. Amen. Dans ma vie. Ça a opéré les miracles dans ma vie. Les hauts bénitants. J'ai tout utilisé dans l'église céleste. Toujours c'est derrière toi, on va moi sur lui. Tu fais couvent, j'aime ça. Rien. 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 Et ma maman est morte. On m'a abandonné, moi, mon petit frère. Les soeurs de ma maman, les frères, même ma grand-mère, quand on veut s'approcher, elle nous abandonne. Même manger, même on ne gagnait pas dans sa main. Tellement que c'était la malédiction sur moi, ils nous lançaient. Donc ça là, moi j'ai décidé de quitter pour l'aide de ma maman. Et je me suis jeté, si la route a bien, si venu. Je venais comme ça, je me suis confié à Dieu. Aujourd'hui, je suis là. En tout cas, j'ai croisé au des papas Florian. Je n'ai pas encore, mais ça a opéré un miracle dans ma vie. Amen. Donc, ma soeur et frère, même si tu es dans un coin, même si c'est campement, si tu as entendu de parler de papa Florian, pardon, même si tu n'as rien, demande crédit avec le nom de Dieu de papa Florian, tu vas avoir. Tu vas venir prendre tes éléments. Tu vas retrouver ta bénédiction. Amen. Et ta guérison. Merci beaucoup. Les sorciers et les ennemis. Merci beaucoup, la maman. Maman, que Dieu continue de vous bénir, qu'il continue de se souvenir de vous. Alors, peuple de Dieu, c'était votre émission Joie Nouvelle. Et je pense qu'on a partagé cette joie avec vous. Que le Dieu des papas continue de vous bénir. Et on se revoit à une prochaine fois. Que Dieu vous bénisse.